What's up, Barry? Bienvenue dans ce nouvel épisode avec le Tech Codé Facile et nous parlons dans cet épisode de détection de contour. Ok, donc cette notion peut être très très importante, surtout lorsque nous allons évoluer avec les algorithmes de deep learning avancés que nous allons faire. Pour cette vidéo, j'ai choisi aléatoirement comme ça deux à trois images. Voilà, la première, c'est une image que j'ai montée. Et là, nous allons faire des contours avec. Vous pouvez faire cette image avec Windows Paint ou Photoshop. Donc moi, j'ai opté pour Krita, qui est free, open source, donc qui n'a rien à envier à Photoshop. Donc là, vous avez la deuxième image, qui est tout simplement le logo de Python. Et nous pouvons commencer. Donc pour ce début, vous aurez besoin de OpenCV2 et de NumPy. Donc je vais commencer par lire cette image, corners.png. Ensuite, vous allez convertir en BGR to Gray, comme on l'a vu précédemment. Et là, tout ce que j'aurai besoin de faire, c'est convertir en flottant 32 bits. Voilà, tout ce qu'on a eu à récupérer, tout ce qu'on a transformé en gris. Et le corner, le plus essentiel ici, c'est cette méthode-là, le good feature to track. Et là, vous passez le gray, vous passez 50, 0,01. Et là, le 10, tout simplement, c'est... la distance minimale entre les différents contours, entre les différents points en effet, les différents contours. Et là, je vais faire un corner, je transforme tout en entier. Et là, je vais donc boucler, j'applique dans ma méthode de Ravel, je dessine les cercles et j'affiche tout. Donc, on va tester ce programme tout simplement pour voir déjà ce qui se passe. Ok, là il faudrait bien que... Ok, donc là vous avez la même image, l'image corner qui a été bien montée, et là vous pouvez voir la détection du contour sur les différents les différentes formes. Donc là, si je reprends cette image, cette première image que j'ai fait avec Krita, vous pouvez donc voir que bel et bien OpenCV a détecté les différents contours. En même temps, c'est quand même intelligent, c'est un algorithme intelligent et tout. Donc on va arrêter ça comme ça. Et là, je vais tester avec l'autre image Python pour voir. Ok, donc là, ce qu'on peut constater, c'est que ça marche aussi bien pour pattern recognition. Donc ça va reconnaître en effet les formes des différents textes. C'est bien utilisé dans les systèmes de tracking, vidéo surveillance, extraction de face pour la reconnaissance faciale, tracking de véhicules en déplacement et tout. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de détection du contour. Et la prochaine fois, nous allons voir nous allons implémenter le grab cut qu'on a eu à voir la dernière fois, et nous allons le faire un peu plus avancer un peu plus bien quoi. Donc je vous dis à la prochaine avec le Tech Codé Facile.